Eh bien salut tout le monde, c'est MyFreeMix et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Tune ma caisse, Pape my wife, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas aujourd'hui on va tuner des caisses les gars. Mais tuner de manière Pape my wife, voilà. Installer des télés, regardez-moi ça les gars. Regardez-moi ça, j'ai installé une télé. Après ils peuvent mettre ses chaises là, ils s'assoient et regarder la télé. Est-ce que je veux dire, on va faire des trucs comme ça à des joueurs en mode en ligne. On va aller online et on va faire ça à des joueurs. En tout cas cette série vous plaît. Si vous kiffez ce genre de vidéo, lâchez un pouce bleu parce que ça, je sens que ça va être difficile de faire ça. Mais on va essayer de le faire, d'accord? Alors, bon, je pouvais mettre d'autres matériels sur la voiture et tout. Mais bon, pour l'instant, j'ai laissé comme ça. Regardez, vous avez la preuve que la télé est bien installée sur la voiture. Wouhouhou! N'hésitez pas à bombarder la barre de là, les gars. En tout cas, je pense qu'ils vont kiffer. Hein. Mon garage est juste ici, les gars. Voilà, il est fermé le garage, j'ai tué le mec. Alors, on va amener, c'est ici mon garage. Voilà, il y a tout, il y a, ici il y a la cabine pour peindre. Après il y a tout, tu vois. Il y a même mon bureau tout en haut. Quand il faudra payer, il faudra venir ici, et puis voilà quoi. Bon ben les potos, je vous souhaite un bon visionnage. Et ben ciao. En fait, je vous explique, si vous voyez mon pseudo, c'est tout en rouge, c'est une taquesse. Si vous êtes intéressé, vous déposez votre voiture et avec moi et je vous fais un truc de malade. Je custom votre voiture pour pas cher sur GTA. En fait, vous payez avec du dollar sur GTA 5 même. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je peux. Je peux vous. Et de l'argent? Non, sur GTA. L'argent sur GTA. Et je suis ici à l'aéroport, mec. D'accord, vous me rejoignez, je suis dans mon garage, vous déposez votre voiture et vous allez voir dans mon garage ce que je peux faire après, vous allez voir. Attends. Allez, rejoignez-moi si vous êtes intéressé et vous déposez votre caisse. Je la prépare et quand c'est prêt, je vous dis. D'accord? Il y a une voiture qui arrive vers moi là. Je peux transformer ma voiture, vous mettre des couleurs chromées très rares. Couleurs chromées vert, fluo, je sais pas. C'est comme vous voulez. C'est toi là devant moi? Non, moi je m'appelle Tune ta caisse. Je suis tout en rouge. Attends. Bonjour monsieur Matt, garez-vous dans un coin. Ne foutez pas votre voiture comme ça. Foutez de ma gueule quoi. Oh pardon, pardon. Pardon. Mais... Je la garou. Mais où vous voulez, mais dans un coin. Et ramenez pas les flics, si vous avez les flics, allez vous suicider hein. Non, je les ai pas. Bon, attendez votre tour parce qu'il y a il y a deux clients avant vous qui ont déjà réservé hein. Donc attendez votre tour. Bienvenue. Bienvenue. Alors comme vous l'apercevoir, je tune des voitures par exemple, voilà, regardez. Regardez les résultats. Regardez le résultat ici. Ouais. On dirait un peu une ATR, une Kuruma mélangée. Voilà, c'est exactement ça. C'est qui ça? Je prends des balles. C'est bon, je l'ai tué. Allez, entrez, garez votre voiture sous ici, là. Ici, suivez-moi, venez. Il est où ton garage, là? Venez. Ton garage, ton garage. Garez-vous ici, ton là, dedans. Okay. Dans la cabine, ici, monsieur. Avancez, voilà, stop. Suivez-moi, monsieur. Au garage, on le trouve même pas. Y a ton pote qui est là. Y a un mec qui a volé une voiture, c'est barré. Non, c'est bon, je lui ai donné. Allez, suivez-moi, monsieur, suivez-moi, venez dans mon bureau, on va parler de ce que vous voulez. Ah, voilà, un peu de tranquillité. Ouais. Alors monsieur, comme vous l'avez pu apercevoir, je tune des voitures, je peux mettre des couleurs chromées en des couleurs chromées quoi. D'habitude on peut mettre que des couleurs chromées et gris là, vous voyez quoi, ce que je veux dire. T'es moderne ou quoi? Je suis tune ta caisse. T'es moderne ou quoi? C'est un peu comme ça mais je suis tune ta caisse, d'accord? Moi je reste RP et je tune des caisses. Bah venez, mets une couleur rare. Venez ici à côté de moi, je vous entends plus là. Mais une couleur rare. Alors, vous voulez une couleur rare, après qu'est-ce que vous voulez comme matériel dessus? Ce que tu veux. D'accord, vous me faites confiance alors? Ouais, vas-y. D'accord, ça vous fera, attendez, couleur rare qui a coûté 50 000, voilà. D'accord, plus ça vous fera 125 000 total, d'accord, c'est bon? Ok, ouais, c'est bon. D'accord, ben écoutez, vous laissez votre voiture ici et quand c'est prêt, je vous rappelle, d'accord? Okay. Allez, ciao. Monsieur, je vais, comme vous avez déposé votre voiture, je vais vous prêter une voiture de location, venez. C'est le garage qui vous passe cette voiture.
Ah, ouais. Celle-là, voilà. Le train. Le train de Netflix. Attends. Ouais, mais c'est la voiture. C'est la voiture du garage, ça. Monsieur. Voilà. Monsieur. Oui. Comment on pourrait vous appeler? Matt, pour l'instant, vous bougez pas d'ici. Après, ça sera votre tour. Je termine. Putain, bande de fils de pute. Oh, d'accord. Calmez-vous. Je vais customiser cette voiture. Je vais mettre chat personne. Et monsieur Della Sao, quand c'est prêt, je vous appelle, d'accord? Ouais. Ok, ouais. Oh là là, il y a du boulot là. Il y a des clients, il y a tout le monde. C'est pas facile quoi. Alors, pour lui, on va faire une belle voiture pour lui. C'est un mec sympathique, les gars. On va le faire quelque chose de beau. Alors, déjà, on va réparer sa voiture. Voilà, les gars. On va le faire quelque chose de malade quoi. La couleur. C'est la couleur qui l'intéressait le plus. Couleur chromée. Voilà. Mais une couleur chromée avec de la couleur. Par exemple, chromée rouge, regardez ça. Wouhou, c'est magnifique, non? Et couleur secondaire, chromée aussi. Mais sauf que cette fois-ci, on va mettre vert. Non, mais c'est pas magnifique, ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut installer pour lui pour que ça fait génial, les gars? On va faire... on va spawn quelque chose de magnifique, attendez. On va mettre des missiles. Pour que ça fait genre, vous voyez ce que je veux dire, attendez. Ah, là. Hop là. J'essaie de faire quelque chose de très rare, d'accord? Très personnel, bon. Il faut tourner le missile, on va mettre deux missiles à l'avant. On verra sa réaction après, le mec. Ah, ici c'est Pimp My Ride, les gars. Et à l'intérieur, on va essayer de mettre une télé à l'intérieur. On va essayer de faire comme Pimp My Ride. Vous savez, l'émission Pimp My Ride, là. Vraiment ça, très bien. Je prends mon temps, les gars. Je sais pas combien de voitures je vais réussir à tuner. Mais au moins, si on arrive à faire deux personnes, c'est déjà énorme. Parce que ça prend beaucoup de temps de tuner des voitures. Voilà. Regardez-moi ça, les gars. Je pense que c'est magnifique, hein. Voilà. Je pense qu'on va, le laisser comme ça. On va pas mettre de télé parce que... Voilà, quoi. Là, franchement, il a de la gueule, quand même. Monsieur De La Sao. Ah, vous êtes déjà arrivé? Bonjour. Yes. Suivez-moi. Attendez, calmez-vous. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous plaît? Ah ouais, nickel, ouais. Super. Vous êtes super content? Joli. Ouais. Suivez-moi, après vous allez tester votre voiture. Suivez-moi. Ah bah, un pick-up, c'est là. Voilà. Monte dans ta caisse. Alors monsieur, vous avez vu votre voiture, il vous plaît, hein? Ouais, joli. Voilà. Prenez-en soin, hein. Mais toi? Alors bougez pas, monsieur, maintenant vous ne bougez plus du tout, je vais prendre l'argent. Vous faites aucun geste, d'accord? Il faut faire partir monsieur Marcos. Ah, merci. Ne bougez pas, je vous ai dit! Vous voulez me voler ou quoi? Qui veut venir? Qui veut venir? Le but. Voilà, c'est bon, monsieur De La Sao. Vous avez tout payé, suivez-moi. Ouais, c'est pas que plus, hein. Voilà, venez, suivez-moi. Comment tu m'as pris, là? Ah, vous inquiétez pas. On vous a... Bon, t'es où, Latin, là? Monsieur, ce que je vous ai fait, c'est vraiment rare, donc c'est bon, je vous ai dit 125 000. Allez, monsieur, amusez-vous bien, pas de bêtises, hein. Ouais, merci. Allez, à la prochaine. Au revoir, monsieur. Doucement, monsieur, sortez doucement. Laissez-le sortir. Faites de la place. Ce gros sac copain, ou quoi? Regardez-moi ce gros chauffard, là, il sait pas conduire. Tu bouges pas, là. Bon, monsieur Matt, suivez-moi. Alors c'est bien ça votre voiture? Bah oui, ouais, c'est le tube. Ok, venez, on va essayer de faire quelque chose. Venez suivez-moi. Dites-moi ce que vous voulez de votre voiture. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, je veux qu'elle soit... Stylée, mais en même temps... Belle. Ni trop moche, ni trop belle. Est-ce que vous me faites confiance? Ouais, je vous fais confiance. Bah alors ça sera 200 000 et je vous fais un truc de malade, d'accord? Monsieur, regardez mon niveau, s'il vous plaît. Bon, on s'en bat les steaks, cassez-vous. Repassez tout à l'heure. Non. Ah, vous êtes niveau 3. Ah, vous êtes niveau 3. Ah, merde. Mais c'est 200 000, c'est pas grave. Je veux la banque, je vais appeler votre banque, il va vous prêter 200 000, ne vous inquiétez pas. Ah, merci, monsieur.
Allez, bon, monsieur, prenez la petite voiture qui était là, là. Allez, viens, décolle. Et je vais plus vous voir. Allez-vous-en, très très loin, d'accord? D'accord. Si je vois votre fraîche, si je vois votre tête, je fais de la merde avec votre voiture, je vous dis, hein. Cassez-vous. D'accord. Je vais mettre chat personne et quand je vais t'appeler, c'est là que ça sera terminé. Ne sois pas curieux. Ah, t'es blessé. T'es blessé, mec. Allez, ciao. En plus, il a une voiture de merde, mec. Alex Barros, tu peux le dégager, Alex Barros, hein? Alors, sa voiture, on va mettre à l'extérieur, là, ici. Et je vais essayer de faire quelque chose. Regardez, vous allez voir. Y. Ah, c'est pas magnifique, ça, les gars? Franchement, là, c'est déjà magnifique. Franchement, je pense que je vais le laisser comme ça. Qu'est-ce que je peux mettre? La fumée, elle est rouge. Maintenant on va voir les matériels. Non, pas ça, on va pas mettre ça quand même. On va mettre une télé, d'accord. On va mettre une télé sur sa voiture. Je sais pas quelle télé. On va mettre une grande télé. Ah, merde, sa voiture. Merde. J'ai perdu sa voiture, les gars. Voilà, on va lui offrir ça. On va changer sa voiture, c'est de ma faute de toute façon. Véhicule. C'est de ma faute, c'est parce que... Vas-y, qu'est-ce qu'il fout? Arrête de venir me gêner, là. Ah, lui. Il y a des clients qui arrivent, bon, ils vont attendre leur tour. Hein. Parce que moi, j'ai pas que ça à faire. Ils sont chauds, les mecs. Ils aiment quand je custom la voiture. On va mettre une télé, les gars, vous allez voir. Les mecs, ils se gênent pas, ils déposent leur voiture pour moi, ils se cassent après. Les gars, j'ai du boulot. J'ai du boulot à faire, mais je pense que je vais arrêter après, là, parce que là, il y en a trop. Il y en a trop. On va mettre sur l'aileron, comme ça. Voilà, on a un grand aileron, c'est pour mettre une télé. Regardez-moi ça, les gars. Monsieur Matt, venez récupérer votre voiture. Elle est prête. J'arrive, monsieur. J'arrive. Eh, les gars, pourquoi vous rentrez comme ça, garer votre voiture à l'extérieur? Alors, bonjour, monsieur Matt. Je vous explique ce qui s'est passé. Votre voiture, elle a explosé. Il a pas résisté à mes matériels. Donc, du coup, je vous ai offert cette voiture, regardez. Avec une télé à l'arrière. Par exemple, si vous partez camper, quelque part, vous mettez deux chaises et vous asseyez, vous avez votre voiture. Allez, prenez-la et allez, amusez-vous bien avec. Merci, monsieur, au revoir. Allez, au revoir. Allez, vous la pétez un peu. Voilà, bon, ça kill toi. Mais monsieur, dès là, moi j'ai déjà fait pour vous, hein. Y'a pas d'autres personnes avant, là. Eh, hey, monsieur Matt, vous avez oublié de me payer. Ah, c'est bon, j'ai appelé votre banque, il me verse. C'est bon, votre banque va me verser, ne vous inquiétez pas. Ah, monte là-haut. Bon, c'est mon dernier voiture, je vais faire la dernière voiture, les gars, et après je dois y aller, hein. Bon, monsieur Della, allez-vous-en, revenez tout à l'heure, s'il vous plaît. Parce que sinon, je peux pas travailler tranquillement. Ah, tu me l'as fait ou pas? Oui, je vais la faire, mais allez-vous-en. D'accord? Et s'il vous plaît, dès là, revenez pas, c'est moi qui vous dis quand il faut venir. Parce qu'après, je suis pas concentré. Quand je vous dis attends, on va fermer. Voilà. Attends. Moi, c'est fermé maintenant, on est tranquille. Tu veux dire comment, toi? Monsieur Marcos, vous laissez votre voiture ici et vous dégagez. Ah, ça, c'est magnifique. Voilà, on l'a réparé. Quel objet on peut mettre? Je vais lui mettre un truc burger. Sa voiture à l'arrière. Il va accrocher à l'arrière, les gars. On verra ce qu'il va faire. On va accrocher à l'arrière. je suis un fou, moi, les gars. Je suis un fou. Regardez ça. N'hésitez pas à bombarder la barre et like si vous kiffez ça, les gars. Faut bien que ça touche à terre les roues. Voilà. Allez. Allez. Voilà.
Allez. C'est prêt sa voiture. Votre voiture est prête, hein. Je vais ouvrir le magasin dans un instant. Voilà monsieur, venez voir ce que j'ai fait pour vous, quelque chose d'original. Ah oui. Regardez à l'arrière, je vous ai même mis un stand de burgers. Vous pouvez vendre des burgers. Regardez, montez. Attendez, je vais la déplacer parce que là il y a tellement de trucs. Monsieur, attendez, avant de monter, venez, suivez-moi, on va passer au paiement, suivez-moi. Merde. Voilà. Voilà. C'est 200 000, voilà. Salutations, amusez-vous bien avec votre nouvelle voiture, monsieur. Allez-y. Je vais vous regarder partir. Et n'oubliez pas, vous vendez des hot dogs maintenant. Enfin, pas des hot dogs, des burgers. Des big burgers. Vous criez fort, je vends des big burgers. Venez, venez. Il est chaud le mec. Regardez-le. Et voilà. Allez, je mets chat personne. Et ben voilà les potos. J'ai terminé. C'était pas facile les gars. Il y a tout le monde qui vient, quand ils apprennent qu'il y a quelqu'un qui fait des voitures modées, qui fait des trucs comme ça, qui tune. Et toute la map qui se ramène. Et moi je dois me débarrasser de tout le monde. Il y a tout le monde qui veut ceci, il y a tout le monde qui veut cela. Voilà quoi. Je m'en sors plus. Donc j'ai quand même réussi à customiser 3 voitures. Je pouvais faire encore des trucs un peu plus travaillés, mais là je pouvais juste mettre un truc modé parce que sinon il y a tellement de monde. Donc voilà, la prochaine fois je vais essayer de faire quelque chose de malade, ok. À demain pour d'autres nouvelles vidéos. Et ciao. N'oubliez pas le petit like les gars. Allez ciao.